72 heures de dernière chance, mais le dialogue des sourds s'est poursuivi. Nous Les six confessions religieuses étaient au centre interdiocésain. Les violons n'y se sont pas toujours accordés. Et vous suivrez Dodo Kamba, porte-parole de six dans ce journal. L'immigration belge a inventé une nouvelle procédure à Zaventem. La maîtrise de chimie pour accéder au territoire belge devient indispensable. Peut-être que demain, l'astronomie pourra s'ajouter aux exigences. Junior Massoudi, un Congolais retenu depuis 20 jours, vous souvrez l'élément de la RTBF. La qualité de la desserte en électricité à Kinshasa dépend pour beaucoup de l'état des postes et leur réseau associé. Le ministre des ressources hydrauliques, électricité est descendue au poste de Liminga et Lingwala. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. La rentrée scolaire s'est confirmée pour ce lundi 4 octobre prochain. Le bleu et blanc se prépare. La gratuité sera également effective cette année. Ce point a été évoqué hier, vendredi, au cours de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En voici un extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le président de la République a terminé son intervention du jour sur la situation de ses compatriotes placés en centre fermé à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, sous prétexte qu'ils n'auraient pas les aptitudes pour prétendre poursuivre ses études universitaires alors qu'il a été régulièrement inscrit à l'Université catholique de Louvain et qu'il dispose pour ce faire de tous les documents y afférents. Il a fermement condamné cet acte déplorable, et il a de ces faits instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, d'approcher l'ambassadeur du Royaume des Belgiques, accrédité en République démocratique du Congo, pour lui exprimer la totale désapprobation de cet acte et exiger la libération immédiate de M. Jérôme Massoudi Ouasso. Le président de la République a insisté sur la nécessité de rappeler aux autorités belges d'assurer, par devoir de réciprocité, un meilleur traitement aux citoyens congolais qui arrivent sur leur sol, comme la République démocratique du Congo le fait pour les sujets belges. Un étudiant congolais est détenu pour des raisons non établies près de l'aéroport des Zaventem à Bruxelles. Vous avez suivi, le Conseil des ministres s'est saisi de la question et le chef de l'État a instruit les ministres des Affaires étrangères. Il s'appelle Junior Massoudi, cet étudiant congolais est détenu, je viens de le dire, au poste de police près de l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, en Belgique, pour des raisons non établies. Le gouvernement a instruit le ministre des Affaires étrangères pour la libération de ce compatriote. À Kinshasa, les confessions religieuses étaient réunies cet avant-midi au centre interdiocésain pour dégager un consensus sur le candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. Aux dernières nouvelles, elles ne se sont pas accordées. Le porte-parole de six confessions religieuses revient sur leur position. Edith Chala. Nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale, lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. On ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme, mais comme nous l'avons dit, nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre, revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la Cinco, l'église catholique et l'église protestante.
C'est pour la 9e fois consécutive que le Sénat vient de proroger l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Les élus des élus ont peu avant auditionné les membres du gouvernement concernés par la mise en œuvre, mise en application et exécution de l'état de siège. Le président Modeste Baati a salué la pertinence de cet exercice et a suggéré que cette évaluation devra rester permanente à travers la Commission Défense et Sécurité du Sénat. Gélor Kimpianga. Les membres du gouvernement concernés par la mise en application et exécution de l'état de siège, ainsi que leurs services respectifs, ont défilé ce samedi 2 octobre 2021 devant les sénateurs dans une plénière à huis clos. Il était question de répondre en ce qui concerne aux préoccupations des élus sur l'évolution de cette situation exceptionnelle dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après avoir suivi chaque membre du gouvernement, les sénateurs ont formulé des recommandations à l'exécutif national pour la réussite de l'opération de l'état de siège qui devra aboutir par le rétablissement total de la paix dans la partie est du pays, comme le veut le chef de l'État. Le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, qui a salué la pertinence de cet exercice, a souligné que cette évaluation devra demeurer permanente à travers la Commission Défense et Sécurité du Sénat. Nous devons continuer à nous écouter, à écouter les populations meurtries, à nous faire confiance et à échanger sans complaisance en regardant tous dans une même et bonne direction, à savoir celle de la victoire de nos forces armées en vue du rétablissement de la paix durable dans l'est de notre pays. Un exercice auquel le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants se livrera aussi souvent qu'il le faudra. Une guerre, on sait quand on la commence. Personne ne peut vous dire quand on la termine. Ça peut être demain, mais ça peut être aussi un peu plus loin. Ça dépend de la façon dont on réajuste les stratégies opérationnelles. Juste après cette évaluation, les sénateurs ont voté à l'unanimité pour la 9e fois la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo. Le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, a par la même occasion appelé le gouvernement à doubler d'efforts pour que les populations de ces deux provinces concernées par l'état de siège puissent vivre réellement la paix avant la sollicitation d'une prochaine prorogation qui ne doit pas, du reste, être un fait automatique. La rentrée des classes s'est confirmée pour ce lundi 4 octobre 2021 et ce, sur toute l'étendue du territoire national. En Ituri, cette province placée sous état de siège, les parents d'élèves sont appelés à inscrire massivement leurs enfants. L'appel est du vice-gouverneur de cette province au cours d'une cérémonie de lancement de la campagne de scolarisation des enfants dans le respect strict des gestes barrières dans toutes les écoles. Junior Selemani. Nous devons partir le Congo de demain. Plus de 30 000 enfants déplacés de la province éducationnelle de l'Ituri 1 iront à l'école un jour, une fois la paix restaurée grâce à la politique de gratuité de l'enseignement. Souhait du président de la République matérialisé par l'administration militaire. Ces enfants seront une opportunité pour la nation dans plusieurs domaines de la vie. Pour une rentrée scolaire apaisée dans le respect de gestes barrières, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a présidé ce vendredi la cérémonie de la campagne d'inscription massive des enfants à l'âge scolaire. C'est tout devant la tribune centrale de la ville de Bounia. Occasion pour la présidente du Parlement d'enfants de plaider pour le retour de la sécurité en Ituri. Nul n'est sans ignorer que la province de l'Ituri rencontre plusieurs difficultés. Et c'est là sur le plan sécuritaire qui handicape plusieurs activités de la province, notamment la sécurité de l'enfant, son éducation et la survie. Pour sa part, le président de l'association des parents de l'Ituri, David Mputu, tout en déplorant le taux élevé de la déperdition scolaire par manque d'un climat favorable de paix, appelle les parents à envoyer leurs élèves à l'école étant l'avenir de demain. Au nom de l'autorité provinciale, le vice-gouverneur de province a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix pour le bon déroulement de l'éducation des enfants ituriens. Mais l'insécurité, c'est nous, adultes, qui la provoquons. Et les enfants et les femmes en sont victimes, sont sérieux. Nous réclamons la paix, nous réclamons l'ouverture des écoles, nous réclamons quoi que ce soit. Mais c'est nous qui sommes auteurs. Tous ces déplacés, les enfants que nous voyons à travers nous, regardez là. C'est nous qui sommes auteurs. Signalons qui des récitals de poèmes des élèves en rapport avec la paix et la lutte contre le Covid-19 a sanctionné cette cérémonie.
Revenons à Kinshasa où les élèves de l'école primaire 1 et 2 Bikanga dans la commune de Kisenso n'auront pas à envier d'autres écoles nanties de la capitale. Cette école a subi une cure de jouvence. Cette action sociale porte la signature de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Sylvie Moyembo, Fifi Boukeme et Guy Kitoko. Bien que par sa description technique, l'on peut déduire qu'il s'agit d'une nouvelle construction. 12 salles de classe, un bâtiment administratif, une bibliothèque, 10 compartiments d'installation sanitaire, dont 8 pour les élèves et 2 pour le corps enseignant. Ajoutez à cela un forage d'eau de 10 000 litres, le tout dans un espace clôturé par un mur de 350 mètres linéaires. L'épée 1 et 2 Bikanga dans la commune de Kisenso répondent désormais aux standards grâce à un financement du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, soucié de l'amélioration des conditions d'études de l'élite jeune de la RDC. Cette œuvre contraste avec le milieu. Nos enfants qui vivent dans les milieux reculés, dans des villages lointains, dans des communes urbano-rurales, ont droit d'étudier dans de bonnes conditions. J'ai aussi fait cette œuvre pour accompagner la vision du chef de l'État. Cette vision incarnée par le slogan qui est devenu aujourd'hui emblématique, le peuple d'abord. La gratitude à l'endroit du bienfaiteur, c'est le mot de la représentante des élèves de ces deux écoles, Kambuya Sabrina. L'école existe depuis 1976. L'école a connu beaucoup de catastrophes liées à l'intempérie. Papa Jean-Marc Kabou, nous sommes reconnaissants à Dieu pour votre implication personnelle dans la réalisation de ce projet de construction de nouveaux bâtiments pour notre complexe scolaire. Pour préserver l'environnement de ces deux écoles, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, quelques élus nationaux et provinciaux, ainsi que certains notables, a procédé au plantage d'un arbre avant la visite guidée de l'ouvrage prêt à accueillir les élèves dès ce lundi. À quelques heures de la rentrée scolaire, les experts du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique réfléchissent sur le mécanisme efficace pour la mise à jour du fichier paye des enseignants. Les enseignants en surnombre dans les entités devront être déployés dans d'autres provinces en manque d'enseignants et la transmission mensuelle aux gestionnaires des listings des payes des enseignants figure parmi les recommandations de cet atelier clôturé à Mbouela Lodge, à Kisantou, dans le Congo central, par la vice-ministre de l'EPST Aminata Namasi. Pascal Katonda et Jean-Pierre Chibangou. Les CECOPE, Service de contrôle de paye des enseignants, entend renforcer ses capacités, examiner et dégager de pistes de solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a présidé ces travaux. Quelques dispositions ont été prises pour accompagner la réussite de cette opération. Le redéploiement des effectifs en surnombre vers les bureaux offrant des postes à pourvoir afin de leur permettre d'effectuer les contrôles mensuels des établissements dans le respect du chronographe. La transmission mensuelle aux gestionnaires et aux établissements des listings de travail. Aminata Namasia, en tant que vice-ministre du sous-secteur de l'éducation, invite les participants à mettre en pratique les recommandations formulées lors de ces assises. Cet atelier a aussi le mérite d'avoir clarifié à l'intention de tous les participants les circuits de collecte de données, du traitement et de la validation de celles-ci en respectant scrupuleusement la transmission entre les différents intervenants depuis l'antenne jusqu'à la direction nationale en passant par la direction provinciale du CECOPE. Ces travaux tenus du 30 septembre au 1er octobre 2021 concernaient l'ensemble des directeurs nationaux et provinciaux du CECOPE, les coordonnateurs des écoles, les syndicalistes ainsi que les différents partenaires du sous-secteur de l'éducation. La République démocratique du Congo et la Zambie se sont retrouvés en bipartite pendant 2 jours à Tchingola en Zambie. Il était question d'analyser la situation économique entre les deux pays qui échangent beaucoup de produits par le transit. C'est un reportage de la RTNC Katanga.
Depuis le 27 septembre 2021, les experts de ces deux pays qui partagent la même frontière réunis en commission ont émis le vœu de voir les autorités zambiennes et congolaises mettre en application les accords signés dernièrement au profit de leur peuple, échanger des informations entre les opérateurs économiques pour le bon déroulement des transactions commerciales et aussi voir dans quelle mesure prolonger les heures de service au poste frontalier de Kasumbalesa, a ajouté la délégation zambienne. Dans son mot de bienvenue, le ministre zambien du commerce extérieur, Chikopo Mulenga, a appelé les autorités de la République démocratique du Congo à résoudre certains problèmes restés pendants dans le but de développer l'économie de ces nations voisines. Pour Jean-Lucien Boussa, ministre national du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, qui était accompagné du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, il était temps de protéger et encourager les investissements sans lesquels on ne parlerait du commerce productif et profitable pour les populations. C'était après avoir salué les bonnes relations qui existent entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie. Nous avons intérêt de pouvoir échanger mutuellement et de pouvoir développer des relations en matière commerciale et en matière d'investissement qui soient mutuellement avantagées pour les deux peuples. Les deux parties ont pris l'engagement de travailler en parfaite collaboration, question de contribuer à la stabilité de leur économie respective. Des chauffeurs et des mécaniciens de Transco de la province de Haute-Uele étaient à Kinshasa en formation. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, qui a décidé de l'envoi d'un lot des bus à Isiro, a procédé à la remise des brevets aux apprenants. Myriam Madika. Les transports en commun deviennent une réalité dans les provinces en RDC. Un groupe de 10 chauffeurs, 5 mécaniciens, un électricien et un régulateur de la province du Haut-Uele ont fait les déplacements de Kinshasa pour une formation technique à la Société des Transports au Congo, Transco. Le directeur général intérimaire de Transco, Chief Chipamba, s'est dit heureux de cette nouvelle politique qui répond à la vocation nationale des Transco. Il y a plus d'un mois, nous avions expédié pour la province de Haute-Uele un lot de 10 bus, composant ainsi les flottes de bus qui vont nous servir pour ouvrir l'agence dans ce coin du pays, parce que Transco se révèle être un instrument du désenclavement et de la cohésion nationale. Chérubin Okende, qui a procédé à la remise des brevets de participation aux récipiendaires, les a encouragés avant d'inviter les autorités provinciales du Haut-Uele d'être des modèles de réussite des transports en commun des Transco en province. Transmettez aussi toute ma sympathie au gouverneur en lui disant que il a un grand défi devant lui. Il va falloir que vous preniez à cœur cette responsabilité d'être le modèle des réussites de Transco en province. Signalons que 10 premiers bus de Transco envoyés dans la province de Haute-Uele sont déjà dans la ville de Kisangani en partance pour Isiro. Les lignes maritimes congolaises ont un partenaire de taille, Africa Union Holding. Les comités de gestion de ces deux entreprises ont eu une séance de travail avec la ministre du portefeuille, Madame Adèle Kaïnda Maïna, qui leur a donné des directives pour la relance de cette entreprise de portefeuille. Angèle Mabiala Londo. Africa Union Holding, cette firme sud-africaine, compte travailler en collaboration avec les lignes maritimes congolaises pour booster l'économie à travers le transport maritime. Son représentant, qui a accompagné le staff dirigeant de LMC, a félicité la ministre d'État en charge du portefeuille pour sa détermination dans la restructuration des entreprises publiques. African Holding, qui est une société d'investissement, entend créer des emplois et contribuer à la stabilité de l'économie. Cette entreprise a adopté une approche gagnant-gagnant dans ces transactions. So you benefit from the operational efficiency first. Donc les lignes maritimes du Congo vont bénéficier premièrement d'un apport en efficacité. And then from there it moves on to benefiting their employees. Et de là nous allons pouvoir parler de bénéfices et de retours sur investissement. And then on to the country. Et ensuite au pays, les lignes maritimes du Congo vers le Congo. En termes
d'engagement sur les années, ça dépendra de notre performance. Comme vous l'avez entendu de la part de Madame la Ministre d'État, au bout de 6 mois, nous aurons des évaluations de mi-parcours, mais nous ne sommes pas ici pour le court terme. La majorité des projets de développement prennent beaucoup de temps. Nous souhaitons rester au Congo aussi longtemps que possible. La princesse Adèle Kaïnda Maïna entend collaborer avec cette firme sud-africaine dans la relance du transport maritime. Dans quel état se trouve le réseau de distribution de la SNEL à Kinshasa? Pour en avoir le cœur net, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwindi, a effectué une descente au poste de Lingwala Bandalungwa, au poste de Liminga Limité et au poste de Massina. Sur place, le constat est on ne peut plus amer. Loin de son bureau climatisé, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a bravé la pluie ce jeudi 30 septembre 2021. Olivier Mwindi Mukalenga, accompagné du directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, a visité tour à tour le poste de Lingwala, le poste de Liminga et le poste de Massina. Question de faire l'inspection du réseau de distribution de la SNEL en raison des difficultés que connaissent les Kinois et Kinois dans la desserte en électricité. Outre des avancées significatives en termes de modernisation, du système de gestion du poste de Lingwala, le ministre Olivier Mwindi Mukalenga a été informé des tentatives de spoliation du poste de Liminga par des anciens travailleurs de la SNEL, des immeubles construits à côté des pylônes de la SNEL ou encore en dessous de lignes haute tension. Les problèmes des inondations du poste de Massina ont été également soumis au ministre. On se rend compte très facilement que le matériel est dans un état de vétusté. La SNEL a commencé des processus de rénovation et réhabilitation du réseau. Il y a déjà un plan qui est en place avec l'OVD pour éviter que ce poste soit inondé. Le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, a salué cette descente de son ministre de tutelle. Je suis très encouragé et je porte beaucoup d'espoir par le fait que le ministre qui a l'énergie dans le secteur, qui nous gère, s'occupe et veut voir à la source les vrais problèmes pour les porter au gouvernement. Le vice-président de la commission énergie de l'Assemblée nationale, honorable Albert Kalonji, ne cesse de faire parvenir des alertes de la situation de la Tchangou au ministre Olivier Mwindi Mukalenga. Rendons-nous dans la province du Haut-Lomami où la ferme militaire de Kalunga située dans la base de Kamina lance les travaux agricoles. Les militaires veulent aussi mettre leur énergie au service de la terre, un motif de satisfaction pour la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou. Regardez. Mission de travail dans la province du Haut-Lomami, Séraphine Kiloubou-Kotona, vice-ministre à la Défense nationale et ancien combattant, séjourne dans le Haut-Lomami pour relancer la campagne agricole au sein de l'armée de la République démocratique du Congo. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, promis la détermination de relancer ce secteur. La même mission est annoncée aux unités des commandements chinoises présentes à la base militaire des Kamina. Le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire la guerre contre la faim au Congo, et surtout dans le cadre de l'industrie militaire, par rapport à l'armée. Il a pris des décisions, il est en train de faire des réformes pour dire que l'armée elle-même doit produire. Tout part de la ferme Kalunga d'une superficie de 144 km² à 28 km de la ville de Kamina. Compagnie agricole d'élevage qui a présenté ses difficultés avec la remise des tracteurs et quelques filets pour relancer la pisciculture mais aussi les secteurs agricoles. Du côté gouvernement provincial du Haut-Lomami, accompagné par les ministres des Mines et Tourisme, Arsène Mukadi Kintuntanki, et a salué au nom du gouvernement provincial l'initiative et a promis même l'accompagnement. Ici, passage en revue des troupes militaires avant d'assister à une démonstration au CI de la base militaire de Kamina. La vice-ministre de la Santé publique a effectué une descente dans le cadre de sa mission d'inspection des usines pharmaceutiques. Cette fois-ci, c'est Fatkine qui a reçu la vice-ministre, nous dit Edith Chala.
Dans le cadre des missions d'inspection qu'elle a entreprises, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Lumba, a visité les laboratoires pharmaceutiques Fatkin pour les soutenir en matière d'approvisionnement en médicaments, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Dans la salle de conservation des matières premières, des productions en passant par des recherches et développements, d'assurance qualité jusqu'à la salle d'archivage et de formation, cette visite a été une occasion pour l'autorité sanitaire de palper les réalités dans le processus de fabrication des médicaments qui sont destinés à la population. Au terme de cette visite d'inspection, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a encouragé l'initiative de ce digne fils du pays qui a créé ce laboratoire pharmaceutique au pays pour contribuer à l'amélioration du système de santé congolais. La visite de Madame la vice-ministre de la Santé entre dans le cadre, n'est-ce pas, de voir, de palper du doigt les efforts que nous sommes en train de faire au niveau des pays. Ces efforts qui ne sont pas connus par beaucoup de Congolais, mais il vient voir exactement ce que nous faisons pour que les Congolais sachent à quoi ils s'engagent quand ils prennent nos produits, qu'ils voient des produits de bonne qualité. Le quartier d'Ingidi dans la commune de Kisenso est totalement désenclavé. Des ponts ont été lancés sur différents lieux grâce à l'intervention du député provincial élu de Kisenso, Kajos Mafolo. Le secrétaire général de l'UDPS les a inaugurés à l'Ambikaï. Ils sont au total au nombre de 5, ces ponts construits sur financement de l'élu provincial de Kisenso, Kajos Mafolo, cadre à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Soucié d'encourager toutes les actions qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabuya est allé inaugurer ces ouvrages qui soulageront tant soit peu les calvaires des habitants de ces coins de la capitale. C'était aussi pour les numéros 2 de l'UDPS d'inviter la population à soutenir les élus provinciaux de Kinshasa. Vous devez soutenir les personnes qui réalisent ce genre d'œuvres, car honorable Kajos Mafolo est resté toujours proche de vous, la population de Sakisenso natal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, porte votre commis dans son cœur et il a une vision pour le développement de votre milieu. Ensuite, Augustin Kabuya se rendit au mausolée de son maître politique, Étienne Tshisekedi Mulumba, pour s'enquérir de l'état actuel de ces lieux mythiques qui nécessitent un entretien au quotidien, vu le nombre de visiteurs. C'est au cimetière de Kinkole où repose pour l'éternité sa défunte mère et son grand frère que Augustin Kabuya a bouclé sa tournée. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du titre. Elles ont eu 72 heures de dernière chance, mais le dialogue des sourds s'est poursuivi. Les 6 confessions religieuses étaient au centre interdiocésain. Les violons ne se sont pas toujours accordés. Vous avez suivi Dodo Kamba, porte-parole de 6 dans ce journal. L'immigre certes en électricité à Kinshasa dépend pour beaucoup de l'état des postes et de leur réseau. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité est descendu au poste de Liminga et de Lingwala. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bumba, dans la province de l'Équateur. Vous êtes sur la RTNT, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Tetit Somba, très bon suivi de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.